Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungou. I do work for Unisure by AFH under Cedric aussi. Tout ça qu'on fait appel na Bino, nous sommes tous les gens qui ont vécu dans la carte, il y a UK, il y a Royaume-Uni seulement, que tout ça qu'on paye ça, bah, service, protection et assurance. Tout ça qu'on paye ça, assurance vie, life insurance, et ça que ce qui nous a dit, c'est foutu au mbongo. Mbongo bako futa yo ezapo na ko couvrir na enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps soza ki na ndako ozwa kana crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza so suna auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki muto abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant ko zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez dit, c'est bien au foot, c'est là qu'on peut protéger le foot. Tout ça, c'est une autre critical illness, assurance maladie. Tant que vous avez un problème de santé, au belly, sérieusement, l'assurance te paye. Tout ça, c'est un témoignage de belly, c'est un foot, parce que c'est une maladie critique. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance, on de qu'on a biso à Chile à Zakosala. Tango, l'icame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit à kofuta et autant. Réalité, zaki ba honora parole na bango, pe ba pesa misolo et singela ki par rapport na oye biso tozoak. Que za aventure te, et za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza apona ko ede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Si vous devez parler de dauphin bouilli, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, j'ai débarqué à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement, c'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture que on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolou, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, le Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le quatrième titre, c'est Ndanga, c'est la surprise, on va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous, Ndanga. Yesu kati inangai, ndanga. Très bien, mbote na bino balandi nyonso. Yabo solo na politique officielle, misa ya lingala, eleki misa ya français, eleki misa ya latin, na batebele pambate na misa ya lingala, bomo mesano ndenge na koloba mikolo nyonso. Bato bakuta naka, baza kukanisa na maetali politiki. Mboka o, ezali mboka na yo, ezali mboka na ngaye. Biso to pona ki kongote po tozala ba kongole. Me la nature nous a imposé la nationalité. To botami, to mikuti deja toza ba kongole. E singeli to linga mboka o. Tant to lo baka patriotisme, amour ya patri, bolingo ya mboka, ni ko lo bako yibate.
et l'inkoloba koko saté okanzate patriotisme ça soko lati drapeau na mutu okanzate patriotisme ça soko représenter mboka libanda okanzate patriotisme l'inkoloba tang baponi au député ce n'est pas ça patriotisme bolingo ya mboka l'inkoloba kanyaka ya l'état et kotika la kana libenga ya l'état yo yo zota la biso zali général ozali colonel basi ya basoda bazole mibali na bango bakufa mbongo yo muto komba kozola kombo na bango ozala ba liste fictive au créa poli ya basi ya basoda mbongo bango bazozwa 30 000 francs ya pamba 17 dollars pe ovandi kimia ozo trouver yango pe normal ezo sala pasi bolingo ya mboka linkoloba moto nyoso akokani libeso ya mibeko moto aleki moninga azalite ozala general ozala colonel armée na biso na police bato bele ba bebisi yango eza bato bazana ba pété ya likolo ba colonel na ba général bangone ba bebisi armée au mingi kene ko sala constat oké notala na ba barrière okokuta ba carte na ba carte ndezali na nzela okoyamba ba tie barrière balobi awa moto akoleka na barrière wana te mais vous allez trouver moto alaki sur carte colonel moto alaki sur carte général tout ça ça dérange or que soda esengeli azala libre ya kosala mosala na ye mboka yango tozokende nango wapi mboka wana tozokende nango wapi bozola na biso na bunya à travers la radio Mont Bleu bozola na biso pe na Butembo na Kisangani na Jugu na Sidubangi na Bazuwele na pesi bino mbote bandeko bazala na Bandundu na Bagata na Kwilu na Mangai City na pesi bino mbote pour la confiance na fidélité bozola na biso pe na Mbujimayi na Kananga même na niveau ya Lubumbashi na Kolwezi na Likasi na quartier Bel Air wana na Lubumbashi na pesi bino mbote na Golf nyonso na pesi bino pe mbote même bato bazala ki lobe lobe na pesi bino mbote tombo sanité bato bazola na biso na prison centrale ya Makala lobby nde je pense c'est le 20 c'est le samedi samedi nde makambo ya kamere ko sila tokoyeba soki kamere tokoloba le tombo est vide ou bien Kamere sera enterré, Bakoboa kele mabele a kotika la kobima li suzote, et koyeba na mokolo, ya samedi, TV za radio te, lelo sengeli toba na deja ko réfléchi autour de ça. Trésor Kalafay, on a besoin de papiers ici, et les stylos pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors on va évoluer, na on peut savoir nous quelques informations. Makabou ya papa évêque Pascal Mukuna, batebele balobi Mukuna, ma pesie 20 ans, ma pesie 20 ans, ministère public nde a sengi, pona yena ne Mukuna, sambi, nenge ba témoin ba leki ye a sali nde proposition ya 20 ans a lobi ba pese 20 ans nenge ba katela ki pe ba kamere kuna ba 20 ans nenge pe ba sengeli mu kuna 20 ans mais même infraction ya viol ango to go réfléchir est-ce que viol za na 20 ans to go tala na mais ministère public ya ye pe za roi man transactionnel a pesi me boko discuter pour na boye ba place nini ba ko koma na donc mu kuna n'est pas condamné pour 20 ans et ça soit ministère public to lo ba yango tout à l'heure je vous lis quelques informations la cour constitutionnelle a rejeté la requête de Jean-Marc Kabunda Kabunda, l'annulation de la décision de sa déchéance au poste de premier président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda Kabunda envisage de poursuivre d'autres voies pour sa réhabilitation au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il existe encore une autre voie ou d'autres voies? Je ne sais pas, on va réfléchir tout à l'heure. Peut-être la rue, peut-être les désistements. N'a évité que ce que nous allons dire avec des invités ce matin. Affaire AFDCA. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente d'invalider les mandats d'une vingtaine de députés nationaux, dont Steve Mbikai et Nene Nkulu. Dans un tweet, Madame Nene Nkulu se réjouit de la décision de la Haute Cour qui, selon elle, l'état des droits oblige. C'est la justice qui élève une nation a reconnu le droit des députés de l'AFDCA. Ces arrêts de la Cour constitutionnelle démontrent de quel côté se trouve la vérité. J'appelle tous nos militants à rester loyaux et à l'autorité morale du FCC trêve des débats. Atteindre la COVID-19. Né Mwandantse mi transféré aux cliniques universitaires, c'est mercredi Kaka. Bamemiye na clinique universitaire hypothèse ya COVID-19 ezali évoqué Pierre Lumbi oya utaki kokufa wa boyebi Pierre Lumbi azali ancien collaborateur ya Joseph Kabila azalaka na ye na kati ya cabinet nde mutaki conseil en matière de sécurité mais c'est atikaki ye akomaki na ensemble secrétaire général et pa ya ndeko Moïse Katumbi Chapo oyo topesi bango pe mbote na ndeko Salomon oyo bazako landa biso lelo na tongo bazana pasi pa mbate babungisi moto monene pona bango pe pona mboka procès Mukuna donc tolo ba Pierre Lumbi akozala akunda malelo vendredi lobby pardon vendredi na BCK futi awa na Kinshasa bakokunda Pierre Lumbi procès Mukuna je l'avais déjà le ministère public a requis 20 ans de prison pour viol contre Pascal Mukuna pendant le plaidoirie ce mercredi il a également demandé 2 ans pour menace 2 mois ainsi qu'une amende
de 1 500 000 pour détention illégale des documents parcellaires. Je pense que Torolo Belango peut tout à l'heure avocat à Mukunape a zoki maloba bokoyo ka ngote veza la duté. Pour yango, deba eliki mo akalanga imo na zongi tata zongi nzale sili. On va récupérer 4 personnes mais normalement long nani Kayembe n'est pas encore là, on attend dès qu'il sera là. On verra ce qu'il va se. Maïch Tibango, bonjour. Bonjour. Donc on est sous les lois pour na bosolo na politique boyi malamu. Merci. Bosolo na politique et c'est peliko ya mbayo sous les lois mikole belé, ça fait pratiquement je pense même 2 mois, oui. Depuis la dernière fois que tu as intervenu. Très bien, merci beaucoup. Je pense également à Koulou Trangaï, Chamani Record, la PCM Mbote. Quand j'ai vu Mike Mastubang, ça m'a fait du joie. Vieux Biladi, Mbote Nayo, Nabande Gono sur Congo Web. Bozana ma beaucoup d'associations pour Nangaï, la Ligue Bilomingi. Alors de l'autre côté, on a Louis France, Kouzekissa. Bonjour. Bonjour, autorité morale. Tokoutani Soulelo. Ouais. Très bien. Alors, on va terminer avec Edmond Izouba, qu'on appelle communément orphelin. On fait les négligés. La maman est partie. Pas négligé, bien entretenu par ma femme. Ouais, ouais. Merci beaucoup de l'invitation. Très bien, merci. Allez, c'était juste pour te taquiner. On va évoluer. Tout premier sujet, TVZA Radio T, Bosolo et Bandi, Mayangani et Bandi. Yoka Biloko et Bobimawa, Bambodi et Gobeta, Mabanga et Tikali Nanda. Tout ça pour la Rosala bien, na Congolais Mourazo Landabiso quelque part. Éviter de mettre la députée Maboko, ou bien la bourgmestre, ou bien la présidente de la République, et ça, le coup de la bourgmestre, la bango, ne bozo bo mambok. Bazo utilisa kabino loko la ba kiti. Tant que bazala besoin na bino ba bengi bino boye. So yi ba silisi ba tiki bino. Na minute ba na besoin na bino te. Mais ba kolou kabino tango eleksyon ko koma. Le korbo na jamais été joli ba benga y bogar pour na fromage. Peuple fongo la misu yo moko bik sambo kana yo. E ko zala balab. Alors on va entamer avec Maïs Tibango. On commence avec Maïs. La Cour constitutionnelle a invalidé, a jugé pardon recevable. Par rapport à la requête, tous on connaît l'histoire. Peut-être pour la commune de mortel toko ko rappeler en gros. Jean-Marc Kabound, Longoli est premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour la petite histoire. Ce qui fait qu'après l'échéance, Jean-Marc Kabound a trouvé quelques irrégularités dans la démarche. A qu'il y a un cours de Conseil d'État, pardon, à Côte-Issy Récours, le Conseil d'État, et Tamboli, Pekissi, Janine Mamounda, n'a pas député, n'y a pas de réélection. Et donc, Salamité, le ministre intérieur a fait une instruction par le commissaire provincial. On a parlé. Et ma service il y a justice, mais le ministre intérieur intervenant, il n'y a qu'à ma police. Parce que la police, c'est eux dépendants. Justice, ma paix, si ma commune, ma calé, ma député, ma comptabilité. Et on est parti. Donc, on a une relation pour constitutionnelle à Katalikambo. Par rapport à la requête, l'objet de Katalikambo. Dossier à Kabound, ils allaient irrécevables, mais ils allaient mon bon corps, ils allaient nous fonder. La grande question qu'on peut réfléchir, est-ce qu'à ce stade, ça n'est fini pour Kabound, quand même, il y a l'objet à Pointe-Voix, ma voix est belée. Pour que Ameka comme un objectif. Ça n'est fini pour lui. Quel conseil tu donnes de la manière que tu analyses les faits? Kabound doit arrêter de faire le sursaut d'orgueil ou bien il doit continuer certains droits constitutionnels à continuer au combat avec espoir qu'il y a aux Alagans de cause. Okay. Trois minutes pour cette question. Moi, je préfère commencer par le conseil. Voilà. Parce que, à Vinanga, par rapport à le comportement, il y a président de la mission intérimaire, je n'aimerais pas donner. Mais le conseil, c'est lequel? Nous avons élu nos députés, bah, qui n'en a parlement, bah, l'obéla, makamonabiso population. Et si kabiso population, tozoro zela, le président, tozoro zela, la présidente Janine Mabunda, n'a pas député nyonso, et c'est si ka o, bah, moi, c'est n'est pas voté, bah, loa, net, il est l'oboe, tozana problème, il y a Covid, gombe, banda, bah, kanga, les commerces sont bloqués. La population ne vit pas. Nous allons côté à Kinshasa, nous allons côté à Congo. Voilà. Et le gouvernement de Banego Zela, net ici qu'on a parlement, l'après-Covid et Kozala, nini. Comment est-ce que nous allons vivre? Dernièrement, j'ai cru entendre l'honorable Matata Mponio, Azopé, sa proposition. Il y a Nenge Sengela qui gouvernement est Tamola après Covid. Genre, il y a un investissement, un modèle, il y a Makamboli Sengela et tout ça là pour que. Parce que Batbazo est batté que après Covid, Tokoku famille par rapport à Nenge Toasiko. Parce que tant qu'on se rendre compte que pendant laps de temps, la banque est salité, beaucoup de banques sont en faillite, la société est en faillite, le chômage, ça veut dire, monsieur Bélé, comment est-ce que nous allons faire pour vivre? Et le gros de parle, c'est de réfléchir après Covid, peuple à vivre. Au lieu de réclamer, mais papa, on est le chef de l'État.
Tozongi, babani suso note, balongoli jama kabund. Yepe ote balongolanga ete, nyonso wana tout eza bien. Mais qu'est-ce que biso, batu oyo, to votari bango, to tina y bango, maramounini bango bango sa y la biso kuna. Et comme si cela ne suffisait pas, Jani Mabunda Komeli, chef à gouvernement, baba que c'est la bango 2000. Si vous 2000 ango, eza prime, y a makambo oye bango ba voter le biso ya bien, ne ba kitisim pio di na foufou, ou bien, en fait, nous ne comprenons pas, nous, la population congolaise, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos politiciens. Donc, ce que moi je voudrais dire aujourd'hui, c'est que notre président AI, je sais que ça sera difficile, mais qu'il comprenne qu'il a été élu pour défendre les intérêts de la population et non ses propres intérêts. Parce que le combat qu'il mène aujourd'hui, évidemment c'est un combat de la justice, parce que il ne faut pas oublier que dans tout ce qui se passe aujourd'hui au Parlement, il y a quand même un côté positif est révélé que l'état de droit est en marche, est révélé qu'aujourd'hui la justice commence à reprendre sa valeur. Ça c'est une chose de très très grande importance. Je crois que beaucoup de députés qui voulaient se baser sur leur majorité pour la réunion Colabisso, mais comme il faut comprendre les lois que nous avons quand même justice moro et côté la population, justice moro et comme il faut élever débat, peut élever nation congolaise. Au moins, donc je voudrais m'arrêter ici en disant, très bien, président Jean-Marc Kabound, et le Koleki, ils a passé, mais jusque-là, dans le Parlement, non, vaut mieux arrêter. Mais le problème, c'est que tous les problèmes, il y a la population, il y a des voix. Si tant est belé, il y a des discussions individuelles. Il y a des discussions où il y a des regroupements politiques, il y a FCC, il y a UNC, il y a CASH et tout le reste. Donc tout ça, la population ne profite de rien parce que le temps est en train de passer. Il y a des gombes, le lobby après le lobby. Après Covid, tu revivre un nénin. Est-ce que vous savez ma proposition est bilanga? Tolona, tout ce qu'on a importé pour bilanga qui t'achète. Est-ce que vous savez ma proposition nini pour que ma banque, ma entreprise, ou quoi en faillite, tu es un nénin de l'État qui vous accompagne pour que Bissot, tu comptes en chômage. Et si tu as la banque en Wana, mais bon, c'est la Bissot, ma discussion, mon bon, net si boué. Balon, les gens, ma kaboun, azonindako. Bon, Bissot, peuple, tu gagnes. Mbongo va réclamer tout baxi la banque. Et ça, mon héritage, il y a ma parent, il y a ma tigre, il y a ma banque. Et ça, mon héritage, population, il y a trésor public. Est-ce que nous les payons pour que nous ayons la discussion, on a des ballons, on a des ballons, on a des ballons, on a des ballons, on a surtout. Parce que la logique aujourd'hui, et ça que le Parlement a fait coufa. Ça dit, il faudra. Des logiques, les lots. Il ne faut pas dissoudre. Bah, mais la poison. Pour dissolution, on est au Lugasu, on va voter la loi. Bah, on va voter la loi. Bah, on va Parlement. Bah, on va voter poison. Bah, on va voter la loi. Très bien. Est-ce qu'il fallait Covid-19 et Kangamingi, bah, député, selon les informations? Par exemple, au moment où tu copies sa révélation, tout ça, mais l'anzambe, Covid est contre le Parlement. Pour battre les bâtons. Non, bah, Koufa, tu copies sa vampire, moi, les sorts. Si on va nous souhaiter, on va voter la loi. Très bien. Edmond Izouba, j'ai donné une information. Likamba Covid-19. Faut boyer baké. Baka ou toza na motozo kende 5000, la majorité za ba autorité en mboka. Ça, je vous donne une information vérifiable. Na vérifiable information est belé. La majorité za pe ba na mibali. Ba autorité belé. Ozo mwana bato ba leader d'opinion ba kondiwana. Bangonde belé baza la COVID-19 et puis baza ba na mibali. Ba lingi ko kende ko se faire depuis. Ba lingi ko kende ko zo ako. Ba zo bango prise en charge te. Mingi bazo vana nanda ko bazo ka pe soni. Ok, traitement malade et zalaka. So ki on dimi yangonde traitement e bandi. Do ba koti koti ba ki kuku ezo e banate. Ba sangwe bando mimaka moutubo ya kufi bo bando kana. Bo kansalo wola e nzambe. Azagi na malade abo ya ki nde koloba. Pe abo ya ki ba simbaye. Ba ngon ba tiye ba grade ti na traitement. Zoga mutazo bela zaga na identité te Ndeko Edmond Izouba. Merci beaucoup Ndeko Israël. Au Monique débat vraiment na RDC to avancé te ezali kaka makambo kala auto déploraka to landi exposé a kitoko ya Ndeko Maïsi Tshibangu auto ko sala wa na pesi longonia parce que il faut des fois s'arrêter au talisima ba intérêt à peuple za wapi ba intérêt à ba individu ezali wapi to landa ki discours à campagne électorale, il y a Jean-Marc Kabound dans le Parlement. Yepe Azalaki Moko ou a prometta qui va député, qui a koubaxé la bango salaire, une fois élu. Bah, image Ezali. Yepe Alakaki. Donc, au moni lelo, Makambouan et Komisikolo Kosala Pasi, Makambouya, ya Kati, Yebimili Banda, peuple, a Komisikolo Lukako jugé. Et puis, ce qu'on a dit, défense, il y a bah député, pour na Makambouan Mosolo, bako loba, oh non. Biso to sengi mbongo wana ezali pona ko aide pe peuple parce que to partagera ba emolima na biso na peuple mais wana ez escroquerie
comment l'État a commencé à supporter la charge na bino. Ce qui bino bo partagera émoliment na bino na peuple, c'est parce que bino bo kosaka peuple wana que musala député ezali kokaba kotonga ba pont kokabola ba polo kokabola mbisi to kokabola loso si ko essayer rattraper bo sera besoin mina mutambo wana bolingi biso peuple to zo charge wana po bino bo komara ko suppléer ba électorat na bino. Démarche à mi-balé. Tomoni, Assemblée nationale, na Sénat, basali moussa nangote, parce que ba institution nyon soya mboka, e belé, ezali, kovanda, na ba irrégularité, de manière irrégulière, comme on dit. Tozali na Assemblée, tozali na nou na Sénat, ba mandat ba animateur nango esi esi la. Les kambote. Mais parlement azo même abiso na ba débat moko individuel, UDPS cash, FCC, tout ça. Dissolution, oh non, mise en accusation, ce qui y a haute trahison contre Mokonzi Amboka. Bokei neti na sesak, banda mande si la ba base la rati lelo na sesak. Ba animateur déjà ba désignant, corporation UNPC esi epe sa batou. Donc, lelo okomona ke, Makambunyo soana ezo kwea na mutu ya Mokonzi ya mboka o azali lelo Félix Tshisekedi babengi garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Ce qui est à pesi o balobaka mbelate tonzelate batuana bokomona ke bakosunga Mokonzi ya mboka te parce que ba institution ezali lokola ba pied ya Mokonzi ya mboka. Na koti siko na makambo ya Kabundi. Kabund ako laksabiso ke c'est lui le plus désobéissant na bacteur politique nyonso oto yebi na RDC. Mokonzi monene loko la Vital Kamerhe parti na ye sengaka ya démissionné atikala jamais kokende na justice pour na kofunda. A démissionnaka azalaka président ya Assemblée nationale batwa monaka. Mais lelo démission ya Kabund na siège wana il fallait ki ezala même élégant. Et c'est le moment où il y a eu un temps où il y a Monica Kana, UDPS, qui est déjà candidat Moussousou. Honnêtement, et la logique, il y a un parti politique. Il devait plutôt appuyer. Obéissance et ça d'obligation. Parce que ça, soit ça claque la porte, soit ça démissionne. Lui, il fonce avec la justice. Il pense que si politiquement il est déséquilibré, justice est occupée qu'au sauver. Malheureusement, la justice l'a débouté. Et maintenant, dans la nuit, tu n'as pas dit à Kokendeli sous une instance supérieure. Ça, ça devient impolitesse. S'il y a aucune vis-à-vis à qui? Il y a chef de l'État. C'est Yawana Moutaïna et Kabouya. Kabouya, le secrétaire général à part. Papa, candidat qui tourne au Bazalaki. Paul Tshilumbu. Ba candidat ba kasi bazalaki André Mwaba, Mbata Tony Mwaba Batwa Mayele Bozui Susunani Léon Mubikai dans la liste il y a 16 personnes wana. Mais le choix est chef de l'État. Mais Mokonzi ya mboka si a décidé Patricia c'est Batu wana nyonso ba bendani yo zali président ya parti yo nde moto faut faire respecter décision Mokonzi ya mboka na ba organe de base ya parti. Mais ozali mutu ya liboso oyo o désobéir parce que politiquement il y a aucune explication na ba démarche judiciaire à Jean-Marc Kabund. C'est la désobéissance pure et simple. Et l'UDPS regarde ça comme ça, accepte ça, ça affaiblit en interne de l'UDPS. Je ne sais pas si cette démarche là il le fait comme décision finale comme la rana Asbel Naye. Ou soit Azo Salango, là, il y a UDPS. Dans le lot, UDPS, il faut Azon à la logique et à fonctionnement à partir normal. Bati Kaoko Sabato, non, Makambouana est allé bisoter, non, Makambouana est allé UDPS, et le lot au Mona, ça, information la Zui, CA a été appuyé par les hautes autorités de l'UDPS pour battre campagne. Très bien, merci. Et elle a battu campagne, tout ébité suite aux Andes. Très bien. Alors, Louis-France, la même question. Kabund prise en sandwich dans la minute Zalwa Bar Poto à chaque espoir bandimi le gonaye mais balobi ezangi moboko donc ça sert à rien de continuer mais ténacité à Jean-Marc Kabund azo kana kokoba kino na suka maintenant dysfonctionnement ezali lui parle même de l'impolitesse ce sont ses propos mais restons d'abord dysfonctionnement ezala kati ya parti Kabuya Augustin secrétaire au nom de lui de PES na confiance à chef de l'État on accompagne
Patricia Seyer. Mais de l'autre côté, Kabound va à titre personnel, individuel, à Zokende. Le coup la mobile. Mais à ce stade, malgré coup conditionnel, à boy, bah, résultat, là, il va encore aller. Ah, ce que je sache, à moins que vous puissiez avoir information, monsieur. Mais n'habite qu'à ce stade, le coup, là, il arrêt à coup conditionnel, je pense que ça irrévocable, inattaquable. À ce stade, et tirer soit voie à la rue, ou bien à démission. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Du point de vue du droit, il y a une autre démarche. Mm. Mais d'abord, on a une petite réprécision à l'intention de Gonangaï Chibango, on a salué au passage. Nous avions déplacé les débats législatifs à un débat de la rue. Mmh. C'est-à-dire que l'élo, on s'allait à député et ben, on a sauté. Voici le mission dévolue au pouvoir législatif. 1. Légifération. Qu'on vote Mibeko. 2. Le contrôle de l'exécutif. Qu'on contrôle le gouvernement. 3. Doter au gouvernement un budget fonctionnel. Mais ce qui est important, c'est que le Parlement est après Covid, ça c'est une situation économique qui doit être gérée par le gouvernement et non le Parlement. Voici le débat que nous avions déplacé. Donc, par le pouvoir législatif, et le Bandasus côté de le peuple à Golia. La mission est la constitutionnelle battue Pembeni. Voici la République que nous avions battue. Deuxième chose, nous avons ici deux démarches. Première démarche, c'est la démarche judiciaire. Du point de vue judiciaire, ce qui est lésé, à coquille qu'on n'a pas instance qu'on se plaindre. Mais ceci n'empêche pas à une démarche politique de fonctionner. Démarche à Kabound, c'est la démarche judiciaire. Et là, on y va bengi, requête recevable. C'est-à-dire, du point de vue de la forme, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, c'est à ce stade qu'il faut donner raison à Kabound que sa démarche, du point de vue judiciaire, n'était entachée d'aucune irrégularité procédurale. Mais son problème était au niveau de la requête non fondée. Non fondée, c'est l'opportunité. Azan a raison, t'es. Azan a droit, mais Azan a raison, t'es. C'est comme ça qu'il faut analyser une requête recevable non fondée. Mais si on a la première démarche du point de vue judiciaire ou juridico-politique, nous sommes ratificateurs de plusieurs bases juridiques internationales. Aujourd'hui, nous sommes en vertu de l'article 215 de la Constitution qui donne la transcendance aux bases juridiques, aux traités et accords dûment ratifiés par la RDC d'avoir un pouvoir supérieur aux lois de la RDC. Ça veut dire quoi? La RDC est ratificataire, il y a statut parlementaire des Africains. On est au niveau d'Afrique. Ah ouais. Nous avons une structure, il y a RDC adhéra, va régler la question parlementaire. Si Kabound peut saisir cette juridiction internationale, en beauté de l'article 215, il peut avoir gain de cause. Nous sommes ici au niveau du droit. Mais au niveau politique, il a parlé de l'impolitesse, mais je ne voudrais pas prendre les mêmes mots, je ne les trouve pas très élégants. La désobéissance. On a ligné le mot désobéissance. Mais c'est grave ce qu'Edmond Izouba a affirmé, que Ndekoseya Ayaki na bénédiction, il y a président de la République. Attention, le président est le chef de l'État. L'article 96 de la Constitution fait du président le transcendant institutionnel et que le résumé à un parti politique l'expose à une infraction de haute trahison qui est poursuivable en vertu de l'article 165 de la Constitution devant le parquet près de la Cour constitutionnelle. Donc, de ce point de vue-là, le procureur près de la Cour constitutionnelle qui a suivi le mot de mon frère Edmond Izouba, que j'aime l'intelligence, la cohérence et l'élégance, de se saisir de ces mots-là pour chercher à traduire le président, arrêter le président de la République. Comment mon consentement avec Opona Moutou, il y a parti politique, naïe. Ça c'est grave. Dès qu'Israël Moutombo. Président de la République a coquille qu'on traite dans le parti caca lorsqu'il y a question, parce que le parti politique n'a pas été institutionnalisé. Il y a une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Mais c'est de façon formelle que le président peut poser les actes. Et de façon officielle, parce que le président, du point de vue du droit constitutionnel congolais, est une institution. Très bien. Et vouloir choisir un membre d'un parti politique l'expose à une haute trahison. Mmh. Donc, le président, aujourd'hui, était tombé à la haute trahison. Bande de FCC, pour se servir, l'argument de Konanga et de Moïzouba, pour qu'on juge l'opportunité, il y a poursuite, il y a eu, il y a eu, parce que l'État de droit, il y a eu. Merci. Là, si ça passe, il y a eu 2 minutes. Là. Mmh. Non, non, non. Deux minutes. Il y a eu 1 minute, tais-toi, parle. Ce qu'on a mis au ticket. Dans la zone, si on a eu un état de Kabound. Ndeko Kabound azala ki reproche na eloko babengi une action disciplinaire. Mayele sagesse ezalini dans une action disciplinaire, ezalini. Ezali que soki biso to sangani na kati awa, yo obebisi mibeko na biso une action disciplinaire a comme soubassement règlement intérieur.
Et la bonne manière de régler une situation disciplinaire, c'est une réparation à l'amiable. Il a fait usage d'une arrogance ostentatoire qui a marqué des autobus. À ce stade, ce qui est là, vraiment, je vais sortir tête haute. Mais, mieux serait à s'arrêter à ce stade. Le mieux serait de démissionner, de Moïse Balavé. Très bien. Pourquoi merci. Démissionner Démissionner pour dire peut-être que tu as été victime d'une cabale politique et qu'à ton niveau, tu ne peux pas fléchir au Salinini, au Tiki, parce que ce poste-là n'était pas. Très bien, merci beaucoup. Mais en suivant le comportement de Jean-Marc Kaboul, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais revenir. Alors, Jean-Pierre Kaïmbe, bonjour. S'il vous plaît, Kaïmbe, bonjour. On perd beaucoup de temps d'embouteillage, vous n'imaginez pas ce que ça représente sur le plan économique, c'est du carburant, c'est du temps perdu, mais c'est énorme. Non, je voudrais rappeler d'abord à mon ailleurs qui n'est venu France à l'Ouïba, le FCC va se préparer, va kangaïe le Kouana. Donc, on est venu ça dans l'opinion comme si FCC Zali, une sorte de tireur embusqué. Donc, on va poser la bonne en boca. Ah, ça, la erreur. Mobé Goli Konzi pour Bakandi Saye. Pourtant, il sait qu'il existe une plainte en ce moment déposée contre chef la table du procureur général de la Cour constitutionnelle contre le chef de l'État. Donc, ça voudrait dire que tout Congolais intéressé peut saisir les instances judiciaires contre le président de la République. Donc, Tomé Kate, commenter l'un contre l'autre, mais avec, pour montrer qu'il se regarde tellement en chaîne de faillance, c'est en cas de problème, l'autre va souffrir. C'est seulement sous Félix qu'il y a des plaintes comme ça. Sous Kabila, il n'y en a jamais eu. Hein. Je n'ai jamais vu personne sous Kabila se porter garant, ça les plaintes contre Kabila, Kabila président. Je n'ai jamais vu ça. C'est ça encore la démocratie avec tout Félix. Tout dépend. Est-ce qu'en son temps, Kabila avait-il violé la Constitution? On peut tout le reprocher, mais en ce qui concerne le respect des règles, le respect des lois de la République, de ces côtés-là, je pense qu'il a été. Tenez cette question, si Kabila a-t-il violé la Constitution? Voilà. Ça, c'est une question pertinente. Oui, okay. Oui, oui. Okay. Donc, non, le président ne peut pas se gérer dans la bureau politique, mais ne démontrons pas ici que le président était d'orphelin politique. Monsieur Félix Tshisekedi est élu sur la liste des partis politiques. Il est devenu président. C'est vrai, la loi voudrait qu'il ne s'occupe plus de manière formelle. Mais ça voudrait dire qu'en informel, il peut toujours tirer des ficelles. Il peut donner des ordres parce qu'il est considéré comme autorité morale. Bonjour, Maralalinga Lamine. Autorité suprême. Très bien. Est-ce que Ndekongo Kabunda a pu saisir ma juridiction internationale? Mais c'est de la honte. Alors, le pouvoir pour le pouvoir, ça signifie ici. Est-ce que M. Kabunda n'a pas été déchu de son mandat de député? Il le garde. Azokoba Rosala. Député normal. Ça, est-ce que vous imaginez ce que le spectacle auquel nous assistons, la honte au bazar coupé sa bisso, le poste pour le poste, quand on perd son poste, on est prêt à tout. Très bien. La cour des cours a tranché, il faudrait que monsieur s'incline. Il comptait sur la rue qui n'a pas réagi. Surtout pendant cette période, il y a Covid-19. Et puis Nayoki, qui est là à l'interne, il a nommé des secrétaires généraux à 8. En même temps que. Il existe une circulaire du ministère de l'Intérieur qui ne lui reconnaît pas le mandat. Là, comment on en est pas pour ça la forcing. Alors, l'indice, il faut qu'on voit la casquette, la secrétaire générale a eu de peste, Kassiatika, qu'on violait la Constitution. Donc, moi, je suis content que l'ELO, la Cour des cours, a dit le droit. En même temps que je pense que le FCC peut battre une acquis, mingi. Parce que les Cabrésanes ne connaissent pas pendant, au niveau de la cour, quand on va corrompre sa pétition, mon souci, quand on va faire ça impère mon cabanaï, comme il me le colle acharnement. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Et je pense que Kabunda s'est accueilli, tout se concentrer sur des choses importantes. On a passé presque 3 mois à parler d'un individu, à parler d'un poste, alors qu'il y a plus important de l'Israël, en ce moment.
ma frontière n'a plus son c'est une poreuse. Pourtant, la bande de Guangola va côté pas la mission que Goma va dégonner bande de Sud-Soudan, la bande de République centrafricaine. Moi, quand même, mon va commis côté pas la mission sans compter ma Rwandais, ma Burundais, ma Ougandais. Moi, quand la mission comme Zambien. Très bien, merci. Plus important que ça. Les députés, j'acquéris, les députés ont consacré beaucoup de temps pour parler d'un individu. On les attend maintenant qu'ils parlent. Et de leur affaire de 2 000 $, c'est ça. 2 000 $, je comprends que Moto, comme on dit, qui Tsingy Pululu. Tsingy Pululu est passé ici à mon absence. Devant Trésor, il a parlé même de 10 000 dollars. Pour avoir 2 000 exemples, okay, il faut même 10 000 dollars. Et là, quand on a dit qu'il y a un monde de vocabulaire de paix à soutenir Kiango, il soit en droit, tout Congolais en droit. Très bien. Il ne réclame pas ce pour ça, les Sengélo, c'est un droit. C'est quoi qu'on va voir au niveau, il y a finances publiques, est-ce qu'on est en mesure, il y a combien c'est bien bon, on a tout à mesure, on peut se venir en monter. Donc le fait de demander qu'on leur ajoute 2 000 dollars au moins, Très bien, merci. On va prendre Sensa, mais en même temps, je voudrais est-ce que si vous, vous pouvez respecter, si vous respectez la paix, une minute, quand on a monté à conclure avec un mot au côté Sensa, parce que l'Olenganko Yazali est accusé à détournement, il y a plus de 3 millions de dollars comme frais à fonctionnement et à structure, où il a suivi à Bakor. Est-ce que vous pensez qu'il faudra aujourd'hui, tout ça là, vraiment, audit Moro sérieux pour nous savoir, bah, fond, on a Ikenda, Wapi, et comment Yango Zalagi géré. Voilà la question pour Olenganko. Mais une minute, très rapidement, on commence avec Maïs, une minute, tout rebondir, tout gagner. D'accord, je voudrais réagir à l'intervention de mon frère, qui a parlé de réprécision. Je ne suis pas juriste, je pense que vous l'êtes. Et les téléspectateurs vont permettre que je parle en français, parce que, ah, voilà, mon cher frère, à mon humble avis, le Parlement, regardez-moi s'il vous plaît, le Parlement, c'est la rue au pouvoir. Parce que la logique parlementaire est établie sur le fait que nous ne pouvons pas tous aller nous défendre ou nous ne pouvons pas tous aller parler de nous. Alors nous élisons nos représentants qui vont en notre nom parler et voter des lois. Et les lois qui sont votées le sont, soit par proposition de loi, soit par projet de loi. Mais ces lois ne viennent pas du ciel. Par exemple, quand on parle du budget, on parle de la loi budgétaire. Quand le Parlement vote un budget, c'est en fonction des demandes, des besoins de la population que le budget est voté. En disant aujourd'hui que le Parlement doit s'occuper de nous, il avait été établi un budget avec des postes. Le Covid arrive, crée des problèmes. Les parlementaires doivent être en mesure de reformuler, de nous dire tel poste peut être corrigé en faveur de tel poste. Pourquoi est-ce que les parlementaires vont en vacances parlementaires? C'est évidemment pour rentrer auprès de leur base, récolter les problèmes, les ramener auprès du Parlement qui convoquera le pouvoir, le pouvoir exécutif. Pour que le pouvoir exécutif trouve des résolutions aux problèmes de la population. Donc vouloir me dire aujourd'hui, nous avons ramené le problème dans la rue, oui, parce que les parlementaires sont nous au Parlement pour nos problèmes. Très bien, merci. Une minute. Oui, faut pas aller au-delà. D'abord, il est revenu au contrôle. J'ai parlé du contrôle gouvernemental. C'est ce qu'il a dit. Je voulais le résumer. Mais je voulais au même moment répréciser des éléments. Oui, Jean-Pierre Kayembe, Jean-Pierre Kayembe, tout cas, Sony Tozali Bossaba, téléspectateur. Et en Babylon, comme Susto Kokiko confirmé, Joseph Kabila, les grands qui respectaient des textes, Oyebi Kenamoko, quel est le soubassement juridique des commissaires spéciaux? Tu lis du 1er au 229e article de la Constitution. Dans les yeux, on se regarde. C'est quoi le soubassement? Tant qu'on retourne à une question à répondre. Jean-Pierre Kayembe va répondre ça. C'est une première dans l'histoire du monde où tu as écouté un communiqué du vice-ministre abroger un arrêté du ministre. Affaire passeport biométrique. Au PSA, réponse, c'est quoi le soubassement juridique? Je suis sur le principe de l'acte contraire en droit. Autour de la question. Deuxièmement, Azolo Babi, le président peut agir en informer l'attention. Il ne faut pas détourner l'opinion Jean-Pierre Kayembe. Le président agit en formel et en officiel à tout moment parce que la constitution congolaise n'a pas dissocié la personne du président de la République comme individu et l'institution. Donc tout ce qu'il fait, c'est officiel. Qu'est-ce que tu parles de l'informel? Je ne sais pas. Autour de la informel et la xénine. Pour un chef de l'État qui est une institution. Troisième chose, la légalité.
Pour que le président agisse dans un parti politique, il faut qu'il y ait une procédure légale parce que la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, c'est vrai, met à la disposition du ministère de l'Intérieur. Et cette question qui devrait être réglée au niveau du ministère de l'Intérieur, pas avoir une touche du président, mais de façon officielle, pas informelle. Je sollicite, hein? 4 secondes. S'il vous plaît. 4 secondes. S'il vous plaît, on ne discute pas, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si on vient ici faire une analyse politique ou analyser les actes que pose chacun de nous. Merci beaucoup. Tout ça, journaliste, c'est aussi une analyse politique. Quand on vous dit que c'est le choix du président de la République, est-ce qu'il faut nécessairement avoir une décision? Quand Kabila envoyait ses tickets, quand on vous dit déjà que c'est lui les tickets du cash, ça veut dire quoi? Le cash est composé de qui? De Kamere et de Félix Tshisekedi. Quand on vous dit que c'est une décision de la coalition FCC cash, ça veut dire quoi? Félix Tshisekedi, Kamere et Kabila, ils se sont mis d'accord. Baponi Mutuana. Alors, il veut que ça soit par une décision ou par une ordonnance où le chef, où on passera pour lire, voilà, les candidats. Non, mais sinon, on sort même du contexte politique. Ici, on vient analyser effectivement des actes politiques. J'assume que Patricia Seya, elle est candidate, le ticket du président de la République, parce que c'est le ticket qui a été respecté, c'est le ticket qui fait l'unanimité aujourd'hui au sein de l'UDPS. Elle n'est ni ticket de Jama Kabou, ni ticket Yaoya Kabouya. C'est le chef qui l'a désigné. Alors si l'UFRANCE cherchera, et tout ça, et puis j'attends des choses ici qui me donnent même envie de faire une crise sur ce plateau. Jean-Pierre affirme que Kabila était respectueux des... Mais enfin, les gens sont morts dans ce pays, pourquoi? Ne serait-ce que pour organiser l'élection. Kabila nous a pris 3 ans! 2 ans! Il fallait que les gens marchent, il fallait que les gens meurent pendant que la constitution était claire. Kabila a créé des jurisprudences dans ce pays incroyables! Alors qu'il nous justifie la légalité... des dialogues que nous avons connus à Tantona, on est soit à la cité de l'Union africaine, soit à l'Assemblée nationale, soit chez les évêques. Kabila a désigné même les évêques pour s'entretenir avec les acteurs politiques. C'était pourquoi? Non, il y a eu plusieurs violations et les gens ne voulaient pas porter plainte contre Kabila parce qu'il y avait un climat de terreur. Aujourd'hui, je salue ces juristes, ces avocats canadiens qui ont porté plainte contre Kabila à la CPI. Très bien. Pour que la CPI enquête sur ce qui s'est passé. Des crimes contre l'humanité. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi avec le rapport des Amnesty International. Combien de morts aujourd'hui? Non, mais évitez de venir ici parler de Kabila et parler de la Constitution. C'est les jours et la nuit. Très bien, merci beaucoup. Kabila, vous ne pouvez pas les rapprocher de notre Constitution. S'il vous plaît. Ça, c'est insulter les sangs de martyrs. Jean-Pierre, s'il vous plaît, terminez vite. Kabila, je le dis encore, respecte la Constitution parce que il a été le premier président dans l'histoire politique de ce pays. Dis plutôt qu'il bénéficie de la coalition. J'ai la parole, en effet. J'ai la parole. C'est pas pour moi que tu t'agites. Loba. Mon ami Edmond, pour l'année, nous allons s'agiter. Ndeko Kabila salili mandat Naemi Balé constitutionnel à Tiki pour pouvoir. On me dit pourquoi on a organisé les élections 3 ans après. Vous voulez me faire comprendre ici que c'est le président qui organise les élections. Mais dans ce cas, on était supposé avoir des élections locales l'année passée. On ne les a pas eues. On met ça sur le compte de Félix Tshisekedi. C'est ça. Mais qu'on se regarde en face, non? Qu'on se regarde en face. Mon ami me parle de... Il y a eu tellement de contraintes. Tellement de contraintes qui ont fait qu'on n'organise pas les élections. C'est comme si maintenant, on doit avoir des élections locales. Ce sont des élections autant que les autres. Pourquoi on ne les organise pas? Pourquoi je ne vois pas la Lucha ou le CLC faire des marches? Pourquoi? Parce qu'on va nous dire qu'on a des contraintes budgétaires, des contraintes financières, que le pays n'est pas à mesure. Nous sortions en ce moment-là d'une crise sécuritaire, d'une guerre d'agression avec le M23. Et on sait combien la guerre coûte. Kabila nommait des commissaires spéciaux. Oui, parfois le fait précède le droit. En ce moment-là, on bascule dans le découpement territorial. On fait quoi? Parce que ce n'est pas prévu. Il faut avoir des élections municipales, des élections communales, il faut avoir des élections législatives qui puissent nous permettre d'avoir des gouverneurs ainsi de suite. On en arrive en ce moment-là. On fait quoi? On trouve une astuce.
Et des mois qui ont suivi, on a organisé les choses. Donc c'est ça. Faudrait pas dire, mais Louis France, mon cher ami, Nasuki Wanaya Souk, on a rappelé Ndeko Louis France, président de la République Azali, orphelin politique T. Il est issu d'un camp politique, et qu'on le veuille ou pas, il peut toujours continuer, même en sous-main, à donner des ordres. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, la Nabiso Ebele, information Azali confirmée, c'est qu'Edmond a dit, je confirme cette information, quelques avocats. Oyo bazala Canada, bazala nationalité wana, bafundi Joseph Kabila liboso ya CPI. Bafundi epo na bango, ba crime contre l'humanité salami ebele na mboka na biso et sengeli Joseph Kabila a répondre. Après ko funda mukuna, après maman moko ya mukolo na mona gaso ya 90, abiba tuli maman yo ko funda Kabila. Maman moko ya mukolo mona gena réseaux sociaux sexinga mo mingi. Mais ba juge bango ba kepenza ko funda Kabila. Est-ce que Kabila zala ki respectueux? Il y a un texte dans la constitution de Mboka Nabiso. C'est à vous de répondre. Numéro un, voilà. Kabila respecte la constitution de Mboka Oyo. Est-ce qu'il a respecté le texte? Binonet, vous avez un deuxième question, la opinion. Batmazala Poto, Batmazali Awa. Jama Kabound, qu'est-ce qu'il doit faire dans le stade de Tozanango? Comment vous trouvez? Jama Kabound a continué à invoquer Milimo Mousousou, Poison Ganesikawana, ou bien Sengeli Avandazon, à Moutou normal, à Tigaraga député, jusqu'à ce qu'elle soit commission Moukoupa Kota Kendaliboso. C'est une question. C'est à vous de répondre. On va d'abord prendre conférence de presse pour Salama Gilobi. Bako Talisa, Nenge Olengankoina Sensa, Bangouana, selon point de presse Oyo, Mbongo Misolo, 3 millions, et comme on en a été. Kouloutou Atia Biro, Naemo Gézalakawa, il me semble que Nenge Nakouka la information, que le Pangouana, le Koukou César, le Pangouana, et Moko, donc l'État a locataire, Nanda Gonaï, selon l'information, tu évites sur les Alokouta. Mais, na wapi fumutoto na omono sute na benga kyo ne mishwa ukimi polo babaka mosenza ukomi français mula yo alokimi ipariti bozaka 25 botika la 9 mongwe bimaka 3 millions ezo mona na te moko kaba millions alors que nzela ya mukuse na nzanza 1 kilometre za nangoka 1 million apamba bakoko sala 1 kilometre na nzanza na matadi bana nzela te na kolela nzela ya bandundu moi je ne suis pas du bandundu mais la zone la nzela ya bandundu ko banda monga tati okoma na mboka suka avocat sana mai est-ce que bobi ke poke ne bandundu ville bakenda la moutouka na nzela makolo et puis son komi po katsa ma yezala mwa li bende moko munene et matsaka mituka batu bakatsaka na rivière moko zala kwilu na katsa est ce que oyebi yango tala condition batu bavivre na bandundu et puis batu bazako tala suivez d'abord ce reportage au lengan koi yo moko fongola matoi ko benga ngata na simon lek yo zawa yo moko landa et puis on se retrouve avec pour parler de ça. Le collectif des citoyens congolais que dirige Maître Oscar Mubiayi, avocat de son état au barreau de Lille en France, a organisé un point de presse sur le scandale au centre duquel se trouve Joseph Olengankoy individuellement d'une part et comme président du Sensa d'autre part. Maître Raphaël Mwembo, candidat malheureux à l'élection législative de 2018, accuse Joseph Olengankoy d'avoir monté une scène de toutes pièces pour qu'il soit invalidé au profit d'Emery Okundji qui est son frère. J'ai été cavalièrement invalidé par un arrêt de l'iniquité rendu sur base d'une entreprise criminelle en faveur de M. Okundji Ndovou-Emery qui siège à ma place. Il s'était arrangé à se fabriquer des fausses pièces qu'il prétend avoir obtenues de la CENI. Parmi ces fausses pièces se trouve une liste avec leurs résultats compilés, documents sur lesquels M. Olengankoy a augmenté le nombre de voix de son jeune frère M. Okundji. À son tour, les députés honoraires et membres du Conseil national de suivi de l'accord de la Sainte-Sylvestre, Bernard Béa, confirme qu'il y a bel et bien eu détournement au sein du Sensa, car il n'a été payé que pour 6 mois depuis l'installation de cette institution d'appui à la démocratie. Il faudra qu'on sache que la loi électorale qui dit que le membre du Sensa ne sont pas éligibles si, au moment du dépôt de candidature, ils ne présentent pas une preuve qu'ils ont démissionné. Cette loi est opposable à la CENI et non au Sensa. Y a-t-il eu désertion ou pas? S'il y a eu désertion, l'argent revenant, il faut signaler aux finances qu'attention, nous étions à 29 ici, maintenant, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement, nous nous sommes restés plus qu'à 9. Ne m'envoyez plus l'argent pour 29 personnes, envoyez-moi seulement pour 9 personnes. Monsieur Olengankoy a continué à prendre l'argent des contribuables congolais
pour 29 personnes alors qu'ils ne sont restés que, alors qu'ils ne reconnaissaient lui anarchiquement que 9 membres. Signalant que le collectif des citoyens congolais demande à la justice congolaise d'accélérer les choses dans les dossiers de ses deux clients, comme c'est le cas des autres dossiers à la justice qui prennent des vitesses incroyables, alors que devant la justice, tous sont égaux. Très bien, merci beaucoup. Tozago Koba, merci na bandeko batindi ba question pour na olengankoi na sensa. Ce sont des questions qu'on a posées. C'est à vous de prendre le tout beau, gérer le temps. Trois minutes pour cette question. Donc, on a un dossier assez ni. Donc, bon, respectez-moi le temps. Trois petites questions. Batoubatouni à travers la République et puis Liban Nambo. Ça fait quand même du bien que Batoubaza est belé. Alors, on va prendre la première question. Pourquoi la chaîne des dépenses ne nous dit pas combien on met à la disposition du Sensa chaque année depuis son installation? Ouezali, Chikito Mouchachino. Je me pose d'abord, Koulutu Chikito Mouchachino, à côté de ma gamba politique. Ça, c'est bien. La paix sur Mbote. Ndekomoussous a tout une question. Bertrand Dawele, depuis Suisse. Est-ce qu'il faut partir de l'idée de Délice et Sanga de dissoudre cette institution qui tout, qu'on trouve budgétaire et budgétivore, pardon? Est-ce que Sensa a encore sa raison d'être? Voilà la question. Tu aussi les sanandé komoko a commis libiso depuis Kananga, a commis Olengankoi accusé de détournement de plus de 3 millions de dollars à frais à fonctionnement d'engo lobby sango a ebisa biso ndenge nini ajiraki misolwana. 3 minutes. Je commence avec lui France. Oui, 3 minutes. D'abord, il fallait que loba ko loba la ba kongomani contexte au bachela ka Sensa. Mais na ka na 3 minutes na nga m'organiser na principe moko abusivement ezala ya évoqué na ndeko Jean-Pierre Kaimbo ezala émission pédagogique à lobby les faits précèdent le droit. C'est vrai, les faits ne peuvent précéder le droit que quand le droit n'existe pas. Mais quand le droit existe, il faut que le fait se conforme au droit. Donc ça c'était une petite réprécision à l'intention à Jean-Pierre Kaimbo. Et tant au président a nommé candidat à IDPS, il l'a nommé en quelle qualité? En ce moment le président est qui? C'est la question pédagogique du droit que je voulais déposer à Edmond Yuzuba. Je reviens. Marambwa Sensa. Sensa wana, en principe, elingaki ezala dissous d'office. Mais comme Sensa est comme qui institutionnalisé, ezala qui ajouté parmi ba institutions d'appui à la démocratie, il n'y a plus opportunité. Parce que les Sensa oyo et bandai ko géré et logo tobengi na théorie des négociations. Les modes de l'accord qui est un mode de divergence politique et sociale, Kabila bimisi biso na esprit constitutionnel et que total vide juridique. Il avait fallu un accord qui vient souder la constitution, épauler la constitution pour normaliser les institutions de la République. Ndé ba créer d'accord wana. Et les Sensa comme institution avait doté d'une mission de suivi d'accord wana. On a dit même biso na élection et processus électoral, c'est-à-dire respect et accord au bataille en place dans processus électoral. Mais les lois, nous sommes revenus dans une législature normale. C'est-à-dire que tout comme président Aza voté, nous ne sommes plus dans un décalage constitutionnel. Les institutions sont constitutionnellement établies et normalisées. Il y a déjà une opportunité, il y a fonctionnalité juridique. Il y a Eloko Wana Babengi Sensa, boutique. Deux. Namakambo accord wana ya Sensa eza sous d'application te parce que la constitution a pris place à la vie institutionnelle de la République. Donc accord eza déjà de côté parce que dans la politique moko tawoyi bisa biso que conformément à l'article 3 de l'accord eza te. Tous nous sommes à l'esprit constitutionnel. Il y a deuxième une opportunité, il y a boutique wana ya Sensa. 3. Lelo oyo soki otali musala ya Sensa kosale la peuple congolais ezate parce que tu as besoin de mettre en place une institution, il y a 3 missions judiciaires ou juridiques qu'on dote. Une urgence, c'est quoi l'urgence du Sensa? Une nécessité, c'est quoi la nécessité du Sensa? Et la priorité, c'est quoi la priorité du Sensa? Donc le ngako ya kozala na Sensa na yeba kufa na bango mboke ko fonctionner normalement. Troisième, une opportunité, il y a boutique wana. Mais il y a maintenant un problème de droit qui se pose sur la dissolution de la Sensa en tant qu'institution. Délice Sensa a proposé Yango. A proposé Yango, je salue bien que la position naïe politique est banara bien été, na partagera difficilement ma position naïe pour la position politique naïe est banate. Mais pour cette fois-ci, j'adhère à sa vision. En tant que parlementaire, il faut que cette question soit résolue dans le Parlement parce que loi Oyo Zala qui promulguée par Ndeko Joseph Kabila pour que Bacha Sensa en place Zala la vie institutionnelle et Zala qui dans le Parlement.
La procédure voudrait que, le principe de l'acte contraire, voudrait que cette loi-là soit révisée, soit abrogée des possibilités parlementaires. Mais ce qu'on a dit, c'est le budget. Ce qui est vrai, le budget, il y a un dépassement, il faut pas le. Parce que les lois qu'on a recevues dans la vie, en déco félicité du banda, est intouchable, basa sauté. Oza la nani, toko funda yo, bako kanga yo. Ça, nous sommes sécurisés, c'est que nous n'avions pas vu à l'époque de Kabila. Très bien. Parce que sinon, bata 5 chantiers, nous sommes les lombes, les basa na makala. Bakendate. Donc, au moins pour cette fois-ci, nous pouvons croire, nous pouvons compter sur la justice. Pour la Sili Sawana, bah, Congolais, il faut pas noter que, c'est ça, ezana tina ta mon côté, et pour ça, la ta moussala mon côté, ou l'en encore, 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 ou l'en. Mon ancien a créé des ordres en principe. Il devrait avoir une responsabilité pénale. Mon ancien a abomi ça par Congolais. Donc, au lieu de résoudre les problèmes, parce que le rôle d'une loi ou d'une institution, c'est de résoudre les problèmes, mais il en crée d'autres. Très bien, donc, merci. Donc, il y a une boutique qui est là. Papa, moi, je suis la bande de la bande. Yé na famille na bango lupango batike la bango moko, mais ma tate est la famille, ce qui est de la famille. Et comme il y a ma cambo ya famille, ça c'est un problème. Papa, na ko komisa makambo non denga na lobibo. Ce qui a monique est la cahier de charge à Sensa. Koya, via boya gata koya. Oui, ndeko. Merci beaucoup. Et na sepeli mingi de toko timbala mort au dossier à Sensa parce que Sensa est ali preuve ya ki toko. Pe a makasi ozo la sa violation ya constitution na période à Kabila. C'est-à-dire, esa structure mort batia ki ango en place pour régler les conflits. Entre partis politiques, entre individus politiques, entre acteurs politiques, parce que contexte où on a tension politique, c'est ça qui m'a cassé pour la cas de violation de la constitution. Et bon, mon acquis, grâce à CNSA, ma revendication, nous sommes au Salamaki na Senko, et comme qui et pas CNSA pour ça la suivi, ma prisonnier politique, ma bimaki, paix, élection, et quoi qui qu'on s'organise. Je suis totalement d'accord aussi de ceux qui partagent l'idée. Il y a dissolution, il y a CNSA. Parce que le conflit là n'existe plus. Ce conflit là, Némandassé Malinga a créé une institution, mais finalement, les choses sont normales. Et aujourd'hui, je ne vois pas la le conflit, la nécessité. Parce que, tout ça, qui n'a contexte, c'est Bima qui n'a constitution, il fallait revenir ce qu'on appelle. Est-ce qu'il faut le un audit sérieux à l'ordre constitutionnel. Un audit sérieux pour la Makamambongo. 3 millions à Makamala. Et à 3 ans, je suis à 3 ans. Moi, je suis à 3 ans. Justice spectacle trop. Je suis à 3 ans. Je suis à 3 ans. Million. Attends, justice aux royautés. Mais opinion aux bébés. Je suis à organiser un point de presse pour salir la réputation à Moutou. Balobiawa, oh, maison civile, la chef de l'État, directeur de cabinet à maison civile, la chef d'État, a détourné 2 millions de dollars, serait même arrêté. Il a répliqué. Il a dit que c'était faux, c'était une cabale montée et tout ça, de toutes pièces. Et tout ça, et pas Batou. Oh, Balingi, Keye a démissionné parce que Monseigneur Gérard Moulumba Koufa qui paie à son âme. Donc, Lelo, ce que Lingi va vilipander pour mon appel. Ma kambundengo zo salama la justice, bakangiyo, justice spectacle, ah mutuana ibaki. Mais quand vous allez commencer les procès, bobandi, bobo la oui ben ndeko. Po nabilongi abato bazo dénoncer. Tala conflit aliboswa zoloba, abandi, ngai emeri okunja botola nga poste. Oya zalin de kolengankoi. Donc conflit wana. Etan la ta peuple te. Et zande ba individu, alors pour la robeta e kadio sa diabo, paf! 3 millions de dollars détournés. Bazo c'est même un document et une chaîne de dépenses. Mais CNSA a approvisionné dans le Parlement. Bambongo Badotarana CNSA a publié dans le journal officiel dans la loi budgétaire. Mais pas que la loi budgétaire va vérifier. Très bien, merci. Et puis en plus de cela, bon, va qualifier au budgétaire et tout ça, budgétivore, ainsi de suite. Donc moi j'estime que à ce niveau, au-delà, il y a non-existence. Il y a CNSA, il faut
trouver maintenant des mécanismes comment les dissoudre, parce que bango ba lobby nani ndeko lui France lobby ba commissaire qui ont déjà institution. Nous avons même vu président de la République Kabila avait promulgué la loi sur le CNSA. Mais aujourd'hui quand vous regardez la composition du CNSA, ezalaki président rassemblement mouté face à présidence, ezalaki débat entre Étienne Tshisekedi et puis Olenga Koyaozon. Donc au moment que le long rassemblement est à la réalité sous-touté avec des structures au Koufaka au Faki et proposer bah animateur ou bah regérer. Donc on a bah animateur, na structure, na contenu, nuance ou na. Très bien, merci beaucoup. Justification dans vos intérêts. Donc toi intérêt à ma solution. Merci Jean-Pierre. Merci Sangwa. Na la parole lui le prend. On va souffler pour revenir et terminer. Na yoki ndeko izuba kolia munoko. Je reviendrai pour démontrer pourquoi il s'est contredit. Mais je voudrais dire Raymond, na dans mon temps sur les avocats canadiens, aventure na bango baki pour ça dans ces pays. Connaître au commun la droit pénal. Le pénal voudrait que la responsabilité soit individuelle, qu'il se ressource. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a été innocenté? Pourquoi Laurent Gbagbo, après presque 10 ans passés dans les geôles de la Cour de la Haye, a été innocenté? Donc, il se ressource. Nous savons que c'est déjà manipulé. Ils sont manipulés parce que pour eux, qu'on n'ait pas une abango, qu'on en a France, qu'on en a États-Unis, qu'on en a 3, 4, 5 anciens présidents, pour un abango, il y a un malam. Mais ah, ceux qui vont dire que le président Moko a la commis, ou soit sika. Non, 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 ils te mettent le bâton dans les roues. Ils vont boutiquer toutes choses, toutes sortes de démarches pour à la fois détruire ton image, mais aussi. Parce que moi, je connais maintenant à l'international le problème, on essaie d'opposer Kabila Tshisekedi. On sait que ceux qui vont aller unis, bako faire un front commun contre les ennemis du Congo. Alors, on veut les séparer, comme on dit, on vous divise pour régner. Très et bien. Ça, les Américains, sont, ils travaillent aussi dessus. Neko Yuzu Balobi, non. Ah, Otolingi politique, spectacle, mingi. Parce justice, que, spectacle. Justice, spectacle, parce qu'il a Makamwa million. Oui, il a intérêt de soutenir Olengankoy dans cette affaire, parce que lui-même est au cœur, il soutient quelqu'un qui est au cœur d'un vaste scandale de détournement, vous connaissez. Donc, vous savez, vous connaissez, vous voyez pourquoi il y va avec beaucoup de pincettes. Ah, pour finir, CNSA, lobby. Non, non, ils ont violation de la constitution. Mais c'est CNSA, cet accord qui a permis à ce qu'on ait des élections pour une fois dans ce pays apaisé, libre, démocratique et sans effusion de sang. Sans déroulé, il n'y a pas de mais il y a un million, il y a un million, il y a un condamné de l'Olengankoy, opinion de condamné de l'Okamere. Mais il y a un dénoncé. Ako dénoncé, ma belle Kabila. Bon, il y a un dénoncé, il y a un dénoncé. Notamment de Gokamero Bakangi, parce que Aibi Bamillion et Belekuna, la Kanisi le 20, justice fera nini. Mais au état de Makamba CNSA, il faut qu'on arrête des états d'âme. CNSA est comme institution. D'après la loi créant cette structure, les Aliwanati Bakosa la élection locale. Mais si on est sûr qu'on n'aura pas les élections locales maintenant, c'est d'abord une violation de la Constitution. On a commis le pouvoir actuel viole la constitution. Des deux, il faudrait qu'on passe par le parlement. C'est ça le problème. Et c'est ça que lui a compris. On ne dissout pas le CNSA et on se réveille maintenant, vous n'existez plus. Non, on passe par le parlement qui examine la loi et qui trouve un mécanisme. Très bien, merci beaucoup. Je vais revenir. Oui, Ndego. Ok. Dans tout ce qui a été dit, voilà ma réflexion. C'est vraiment une réflexion personnelle. Hein. J'ai comme l'impression que la structure de la CNSA et la COP, au moment où la structure est belle, ils ont créé la RDC et la COP à la politicien. Parce que même dans la dernière nomination, la société Moussouya-Sigaba-Bimissi, au chef de l'État, a signé l'ordonnance. Et ça, apparemment, comme si on veut faire plaisir à la politicien Moussouya-Sigaba-Poste. Parce que logiquement, bino batamaye les bisous tout le temps dans Mboka, nebo lobi en Alandi bino. Senza wala net na minute zo sa nini. Toi là bas avocat de la République bato bas Rosamba pour la mission la Mboka zonga. Jamais tu auras pas foutu à bon bas million, jamais tu auras pas besoin bas salaire il y a important n'engwana. 3 millions oyo. Bon expliquer bisonan. Oh il y a bengi biso la rue. Bazo zongo na formule nini. Donc ça dit bazo net muna mutu par mois 50 000, 100 000 dollars. Il y a un salaire qui est au basalaga. Pour nous, qui avons dernièrement dans ma moukouna, nous avons bien rappelé papa pour les gens qui ont témoigné. Nous avons dit qu'il était en prison. Si vous donc, Neti, pasteur, moi, je suis là, moi, si il y a des témoignages, côté de ma monde, et comment Neti, au moment de viol, Neti, papa n'a pas dit que nous avons 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 dit que nous av
Si on est pour le parlement, on est pour discuter avec Jean-Marc Kaboun. On est pour le Saint-Saoul, pendant que la population est en train de souffrir, à la limite, on n'arrive même pas à comprendre comment est-ce qu'il y a des gros projets comme celui-ci où les gens prennent, bouffent l'argent de la République sans rien faire, mais on va chercher à mettre sur le débat pendant plusieurs mois des personnes comme Jean-Marc Kaboun. Je ne sais pas. C'est très bien. C'est trop compliqué. On va revenir. Nous sommes déjà à la fin. Il faut tourner le bel Kaboua. C'est ni par conclusion. Mais Tozo Kenena, nous, de l'autre côté de la régie, on va d'abord prendre réaction. Il y a un Congolais dans Matadi. Il y a un Congolais qui est en crise. Il y a un Matadi dans le Congo central. Président de la République, il y a un bon de la Bino. Il y a un Congo. Il paraît-il qu'il y a un COVID-19. Matoussi, la présidente de l'Assemblée provinciale, na gouverneur et à province et sengeli bo vanda bo sala dialogue bo bongisa mboka wana baneko ngo bazako souffrir na ebité ba ko s'en sortir ndenge ni baneko ko ba ko tala même Thomson égal était kaka ba monyango e kondi na komi kuna ba ko bazo ebisanga égal o balobaka o bato balobaka ke zaka mama Olive il paraît que zaka mama Olive selon ba information ba to ba pesinga sur place mais na ko zonga la matadi wana pour vérifier et puis makambo égal wana o ebiké na bandaka dossier égal awo makambo égal parce que eza biloko ekota kana exonération bafuta ka taxe te égal wana bafuta ka te bazo futa douane te c'est l'obe information o ba pesa ibiso batu ba kolobake nanu batikali ko futa taxe ba kota na boule ke ba ye a wapo ba salisa Congo to signer mikanda mais poisson bazo zo na mer na biso te ba koma osomba ngona na mibi c'est l'obe information bo yoka ba témoignage jo na bimisage ba dossier on est poussani na zui déjà ba élément ebelé na ko tirer yango a boule rouge. Pas de confusion pour l'année sur donc toujours l'anda et les mains matadi ados aza niveau libanda la pc et mbote place à zolanda biso bande koubaza et belé balobeli biso. Alors on va suivre d'abord anima c'est désolé mal à anniversaire il y a président de la république Félix Tshisekedi bande koubatadi bafita qui a ngopé et les mains langue commune à nos prêtres je pense que lobby n'a raison que c'est un gros ndeko Jean-Claude Mavambo la pc et mbote bande kwa OEBK pour la moussalo bossali pour la chef de l'état parce que vous faites un anniversaire il n'y a pas de souci bande kwa l'aide il va contacter biso on va revenir encore pour que tout le monde sa lumière, parce qu'il faut tout compte à la carte à Port Rwanda, tout sur la bango par rapport à certaines questions. Oyo, tout tout naki, mais Chico, bah, comme il est prêt à correspondre à mon ami tout nan. En image, on se retrouve après tout si lisa, l'ikamboa seni. Garçon, oyo, bah, tiens, à seni, oyo. Après Nanga, bah, tu me souviens, alobi, Nanga, zalagi nzuzi, ou à zantim, bah, li passa. Est-ce que ce n'est pas se lancer dans un combat où le vainqueur est déjà connu? Seni, seni. Est-ce que garçon, a déjà la liste, n'a eu à bateau, bah, député, en 2023, t'es? Na ebité wa les questions bande ko ba ko répondre en image et puis on se retrouve après. Merci pour la question. Jusque là il y a un blocage. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils allaient faire moko politique et singulier dans la décanter. Parce que trop c'est trop. Province est comme bloqué. Province est comme ingouvernable où rien ne va. Donc nous voulons une solution politique. Nous voulons des gouvernants professionnels. Trop, c'est trop. On a maintenant des gouvernants amateurs. Ce n'est pas un secret. Je l'ai dit devant le monde entier. Je suis prêt à être tué. Je suis prêt. Trop, c'est trop. Il y a un chaos aujourd'hui au Congo central. Nous voulons que le président Fatshi puisse trancher. Parce que la province n'est plus gouvernée. Ce qui est vrai, c'est connu. Et ben, c'est bien secret des polichinelles. Nous voulons qu'il y ait une décrispation politique post-stade et Zonga normalement. Matadi ne bouge plus. Matadi est allé ville portière, chef lié Congo central. Mais ça ne bouge plus. Or, stade Lumumba, c'est que ce qu'on voit bien après Missala, on va retourner dans la marche, on va dans la cimetière. Donc, il faut une solution politique. Donc, vous pensez que la crise aux alliés est une crise politique. Politique. Il faut également une solution politique. Politique. Du boom. Il y a du boom. Il y a hémorragie. Ça doit s'arrêter. Bon, on est mingi. Mais la volonté. La volonté. Nous voulons que solution seulement politique pour Missala et Koba. Bien. Parce que. Merci. Déjà blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige.
lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Hector Badibanga, qui va prendre la main? Qui va prendre la main? Ndeko Maïs, na zongi panayo. Seni, yango e bakter politique, bazola la, mais tozo gene na combat où le vainqueur est déjà connu en avance. Église, ba yokanite, ba bimisi sou sou mokitani, ba bimisi sou moto à la nani na nanga. Yango ma kambango ese bandi bato bazola la fayulo ozala candidat ta muzuzu ere ozola muzito ozala candidat Moïse Katumbi ozala candidat bino tu ozala bakanda ba oba uta États-Unis ba yebana kate ba yaka na suka na ba oba zakana mboka ba yaka ko papé tour ere yango seni yango seni yango tang bazola mbabilo ko bozate boko yako tala ngona mesa nzoka ba bébé siango déjà oyoko kufa lokola juge yani ba bomi na poison nani abomi juge yani kesho za ko yebana tete sikoyo. On va continuer avec les enquêtes seni. Une minute. Bimi sa galo mo mabe ozana mo te lo mo mabe. Non, dossier à Séni na meki ko yoka ngome. C'est vraiment désolant pour notre pays. C'est-à-dire que au moins ba mboka mususu bazaka so ba problème ekomeli bango ba sangani à travers ba accord, à travers ba senza otokolo ba lelo. Et ça la que ba tola so ba yokani ba buna rapport na mboka na bango ki na liboso ba bosa ba divergence pe ba corriger makambo mabe o ezalaka. Mais mboka na biso ezali so ki bo meki ko bongisa. Lobby les mêmes personnes vont revenir sur les mêmes choses maramwakala. Là on a demandé on a première fois on a demandé on a regardé la radio. Aux gens les gens Jean-Marie Kasamba pour parler bah net les gens Jean-Marie Kasamba. C'est-à-dire il y a on dirait mutumo avant on a porté avant on a arrêté. Il y a mon rendé bah tu sa constitution. Mon rendé viol la constitution. T'es à mon rendé mboke kenda rabi. À mon rendé bah c'est la personne qui a miné ne. Bah bah ça rendé wana. Net si quoi pour maramwa seni. Bah zota ngaga bango. Mais oh tant que tu bengana rabino awa. C'est là pour que makambu ezo kende bien t. Toyo kani siko que na kati ya coalition to lobiton et loko oyo eza bien oyo eza mabe na kati ya coalition bino bona bona oyo ya bien bona ngo biso pe toyena oyo ya bien makama mabe to bosana. Mais pourquoi est-ce que to zozonga na makama mabe oyo zo faire souffrir nani comment on appelle population ndeko nanga loko oyo zakana bango eza bango boye omoni mboka Congo so ezo tambola bien. Ce qui bazo fouta ba juge bien ba kanela biso miyibi so ba fouta ba avocat so ba fouta ba professeur so ba fouta ba fonctionnaire ya l'état mboko ko to mama nkita mboko kenda liboso. Mais ce qui mboko zo kenema bende bo komisa mboka na biso mboka ya ba accord pona nini ba maintenir kaka bino na pouvoir bino bo bonga ka bino bana na bino ba bonga ka biso to bonga ka te to ko souffrir na bino. Très bien Izuba, merci beaucoup. S'il vous plaît Izuba, merci beaucoup pour na temps au pessinga lobela makambo a seni aussi ici seni oyo batu babengala rango imulunda batu babengala malumalu malumalu azonga kali susu toyo komona ndeko nanga pe a komiko kende bakosa batu te ndeko élection et salamaki muto dirija ki élection komona e cardinal ambongo et salamaki na comment on appelle première rue na collège Lindongue. Non, collège monseigneur cardinal Mosengo. Basali élection kuna et puis Ndekoronsar de Alongi. Voté main levée 8 sur 6 devant les cardinal qui avaient organisé les élections. Maintenant, tu vois comment on a après ezala ki ndeba intérêt particulier parce que candidat oyo cardinal a proposé qui ezala ki Ndekonaye babengi Cyril et Betoko. Azala qui va être proche. Tu vois comment on appelle Ndeko Eyale. Ou Azali candidat SCC. Pour Azali car trois candidats makasi nde batikala ki. Eyale ya SCC, ya église catholique, na ou Azali porté par six confessions religieuses Ndeko Ronsar Malonda. Tu vois mona, ou ya Ndeko Eyale, ba yako bimisa, kombo na ye bimina liste ba parti politique. Azali membre ya la Mouka. Balobite yote na ba critère okweyi bande konyo so baluba o batia ki wana naza ko discriminer bangote. Mais apparemment na ndenge ba pesa ba critère balobaki ba ko kozwa président sénité wazana na même région na mokonza mboka. Alors pour terminer ba politiciens nous ont toujours manipulé na magambo etali président sa CENI. Apparemment nous sommes déjà préparés à contester le futur président de la CENI. Il faudra atoper cette tendance. Na lobby Ronsar Malonda ate zaki mutu mususu tendance linga ebima soit FCC linga bi sa tendance soit bande kwa pouvoir balinga bi sa tendance soit bande kwa opposition balinga bi sa tendance. Oh na ebi moi j'ai couvert pendant plus de 6 ans
la CENI. Le président de la CENI ne prend aucune décision sans faire allusion à un membre de plénière. Merci. Maintenant, qui sont les membres de plénière? Baza bato baouta na opposition à la Mouka, tout monde qui bande quoi Jean-Pierre Mbappé baza qui na l'équipe de quoi de pèse baza qui baouta ka na FCC cash baouta et puis bamsusu baouta la société civile batika ko négocialiser présidence présidence ça aura décision de mon côté s'il vous plaît binonde ba candidat à 2023 biso terrorisme ngala non non on a candidat ndeko ah yo poza le roi ngala non biso do sunga peuple veut oui ndeko bon na comprendre que ndeko tibangu wazan information te na o itali makambasi ni heureusement de kuzu bazaliwana jamaika sambala kulutu nanga na nenga profession balasuka na invité et puis tant azoko oluba bango oui bango wana tokuta na bango na kata musala basi nga nazali reporter à la fois na kokende koto na kokende kuna passe na moni ya linga pesa casquette politique mais le dessous des cartes c'est quoi Edmond a dit l'église catholique a un candidat qui s'est retiré de lui-même parce que son profil ne correspondait pas. Et puis on prend un autre candidat, il y a l'église protestante. Un ancien candidat, un candidat malheureux dans la législative, dans la partie à Jean-Bertrand Ewanga. Au moni, poste où on est allé, poste, Barotia Mouto est allé à politique, quelqu'un qui n'a pas de couleur politique, mais Bango Balingi Batia Labisso, un candidat malheureux au législatif, ça signifie qu'il est régulièrement enregistré dans un parti. Les dessous des cartes ici, c'est qu'on a compris que Bandekoya FCC, Bandekoya SCC, la catholique, ça une coalition. Pour bah, imposer biso un candidat, une sorte de marionnette, parce que dans mon indéco, Ndeko Mai Kammer, président Nani O, Azali ambassadeur aux États-Unis, il n'y a pas comme la consultation, il y a un au monde à côté, il y a un cardinal à Kekuna. Donc on comprend que la Mouka veut se venger de ce qui s'est passé en 2018. Et à on a Congo, Motomo, côté à Kondima, au Bolingbo Sala, Nathalie Profil, Ndeko Ronsa, Malonda, 15 ans à la commission électorale, un master à l'administration électorale, na Sorbonne, Azana Profil idéal. Non, on a mon été à la télévision, à Colombé, la caca, Moussou, Tobo, c'est un technicien, à Kendaga, la cadre, à Séli. Donc, les lois à Tababi, Missilani, les Koizou, à l'Obi, va contester. Merci beaucoup. Mais privilégions la compétence, privilégions la jeunesse. À 44 ans, ce garçon a une expérience à revendre en matière électorale. Il faut qu'on lui fasse confiance. Oui, on a lancé campagne anti-Ndeko de Komalon, dans un grand kabiliste. D'abord, Ndeko Jean-Pierre Azolo Babio, il a diplôme na Sorbonne, c'est ça. Voilà, Malonda pèse bango. Ça ne respecte pas les journalistes. On accuse Ndeko Malonda. C'est pas des preuves. Mais ce sont ses propos. Je peux parler à voir. Ce sont ses propos. Ndeko Malonda, ce sont les journalistes mbongo Ndeko Kosala te aux akabilistes. Mais il ne faut pas que tu ne sois pas. Calme, j'ai fait calme maintenant sur ma population. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Non. Est-ce que Nakolo, pourquoi nous on ne dit pas qu'il a été soumis? Est-ce que je peux parler? C'est ce que je dis, non? Mais il faut. Mais c'est la population. S'il vous plaît. Il faut arrêter de l'insulte au contraire. S'il vous plaît. Mais il a dit les journalistes. Dernièrement, il a réagi. C'est toute une corporation qui est insultée. Mais attendez d'abord, je vais y arriver. Non, au nom de la corporation, la coquille condiment à l'obawanate. S'il vous plaît. Nazoze là, si ça y est là. Ceux qui a péché contre ma journaliste, Negontingi Pouloula, t'as gagné ma journaliste. Selon les informations. Mais c'est à cause des histoires comme ça. Attendez que lui parle. Attendez. Ça s'appelle autoflagellation. Tu ne peux pas venir dire voilà, on a donné aux journalistes. Comment un journaliste peut attaquer un journaliste? Si tu es digne, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? C'est indécent. S'il vous plaît, ça l'est la éthique. Nous sommes arrivés à la fin. S'il vous plaît, désolé. S'il vous plaît. Ok. Nalobi Boye. Ndeko Malonda nga pena journaliste soki na lobi bien conditionnel soki o pesa ki ba journaliste mbongo ba défendre Ndeko Sambwe mutu wana azaka bisi na lancé campagne parce que biso toza ba averti ya peuple soki lelo ba rosimu kendi ba kufa soki lelo une première les deux présidents successivement Félix Tshisekedi na Joseph Kabila ba reconnaître ba irrégularité procédurale na processus électoral pas parce que le président de CENI n'avait pas de diplôme parce qu'il avait un problème de moralité politique. Ils avaient un problème de moralité. Nous n'avons pas parlé au Sorbonne, au Liège, au Havre, mais nous concerne pas. Nous, c'est un problème de moralité. Vous voyez, nous, le docteur, vous voyez, fiasco à Zalan en 2006, en 2011, et nous, 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 pasteur. 2018, nous, 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 en toute honnêteté à reconnaître que l'élection n'a pas irrégularité. Pour la ligne, le président va parler de quoi, il y a un kabiliste. Il y a un peu de temps. Pour sécuriser le peuple congolais en 2023, peuple a koufali sous-souté, batoua marcher sous-souté,
contestation illégitimité à la liste pour mettre fin à un débat illégitime, il faut que nous puissions choisir un président qui aspire confiance du peuple. Et s'il n'y a pas confiance du peuple, que vous soyez qui, qu'il vienne de Sorbonne, il ne travaillera pas. Ici, j'engage le peuple dans le lobby boy. Ndeko Malonda wana tang ndeko ndeko corner ina ngaye est-ce que vous avez excès na marambo ndeko corner ina ngaye na 2018 pour na organiser l'élection aya na quota ya PPRD vous comprenez aya na quota ya PPRD donc mutu wana ndenga za wana go azaka biliste akosala na senité miso ba pesu ya libosse za yinini ko doter majorité mécanique na FCC pour na nommer ba député deuxième mission. Soit Ndeko Kabila soit zongité mutu musu soit zonga na pouvoir na élection en 2023 Ndeko bokosi a bosala te. S'il vous plaît, alors calmez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous retire la parole. Tu n'as même pas chanté depuis que tu es là. Est-ce que tu es plus blanche que la neige depuis que tu es là? Faut être lavé par le sang. Blanc plus blanc que neige. Blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Bosolo elle le komi na suka. Et loko esengeli boyeba, bokanga na mituna bino. Quantité so yitomela par rapport au toboka otomela geleke bele. Ya ko lobezala ke bele mingunga ndeza muke. To kokuta na lobby avec le même plaisir pour le même travail. Jean-Marie Lukula si sera notre invité et on va dire tout avec bagagno so nenge boyebi bo momesana. Ndeko singi pulula kozonga semaine prochaine. A Bécho la rosa la semaine prochaine. Et puis, na rozongi sa pasteur Denis Lesipo, bilo wa souk a zwa gite. Bobo sarate, bobo de la pona biso moussa les amakasi. Merci et à bientôt. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH. Under Cedric aussi. Tout ça, qu'on fait appel na bino, nyon surtout, bozo kola nanga siko. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni. Seulement que tu as coupé ça, bah service, protection et assurance. Tu as coupé ça, assurance vie, life insurance. Et ça, que ce qui nous a dit, c'est que tu as foutu un bongo. Mbongo bako futa yo, et ça pour couvrir l'enterrement, puis dans ce côté, tu as héritage na bana yo, et en même temps, tu as un ndako, tu as un crédit, et tu peux foutre un ndako na yo. Tu as ce qui est un living cost. Living cost est un produit oyo, ce qui est à Beli à Zanandaku, au salaire qui a plus de 20 heures. Yaka, ce qui Beli assurance qui fout à Yombongo pendant que Zanandaku est au salaire. Et nous avons aussi building and content. Ce qui est à Zanandaku, on a bien au foot et là, on a protégé Ndaku, on a donc au foot à Yombongo. Tu as autre, mais critical illness, assurance maladie. Tango Moutou, aux Alisousou, on a problème à santé, au Beli, sérieusement. L'assurance te paye. Tu as un témoignage de Bélé, Moutoyo, à Futami, parce que Bélé m'a dit critique. Je suis juste na besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance, où je suis à Chile, à Zakosala. Tango, je suis à biso et que maman sentait dérangée. Maman, je suis à droit de Futaye autant. La réalité, c'est que je honore la parole de Bango, et je suis à la parole de par rapport à la parole de que c'est aventure, c'est vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, cause la tête na souka. Naza a pour na koede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni. Si vous devez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, j'ai débarqué à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement, c'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture que on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya sukalo yo bongo.
suka ekeke ba mingi ba kondi ba ba prophète ba kobi ma revient lokota ma komi l'écriture la parole de Dieu. Ngolou, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, le Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le quatrième titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Ndanga. Yesu kati nangai, ndanga, ndanga solo, kozala nangai.